Salut seulement, aujourd'hui c'est mercredi le 6e de juillet de cette année 2022. D'après la nouvelle la plus récente qu'on m'a présentée dans la vidéo dans le site web de www.plusieurs.com pour le jour d'aujourd'hui, on vient d'entendre parler de ce que voudrait vous annoncer la législature de l'État de Vermont des États-Unis concernant ce qui se fera présenter dans le bulletin de vote pour l'élection générale, celle qui aura lieu dans le mois de novembre dans l'État de Vermont des États-Unis. En parlant de cette matière, il faut d'abord dire que, comme vous le savez, cette matière peut vous rappeler ce qu'on a déjà parlé la fois dernière, d'après ce que nous a déjà annoncé la nouvelle concernant le cas judiciaire que l'on appelle Roe contre Wade, à l'égard de ce qui s'appelle l'interruption volontaire de grossesse dans la nation des États-Unis. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on dit que la législature de l'État de Vermont des États-Unis et le gouverneur fiscal de l'État de Vermont des États-Unis se sont mis d'accord sur le droit de se faire avorter dans l'État de Vermont des États-Unis, aboutissant à la décision du gouverneur fiscal de l'État de Vermont des États-Unis qui a récemment signé pour donner son accord à faire représenter cette matière sous forme de proposition dans le bulletin de vote pour l'élection générale, celle qui aura lieu dans le mois de novembre dans l'État de Vermont des États-Unis.